4 mars, je débute ce journal de bord par rapport aux événements de Nanchang en Chine. Alors, bon, évidemment, tout le monde est au courant, les médias en font la une depuis plusieurs jours, les chaînes d'infos, la radio, partout, ça n'arrête pas. Et en fait, il y a des soucis depuis quelques jours dans une ville du centre de la Chine, Nanchang, donc. Il y a des émeutes très violentes. Alors, la ville est coupée du monde, le pouvoir chinois a dépêché l'armée et tout. Donc ça fait un peu flipper. Alors au début on parlait de problèmes politiques, d'un soulèvement politique en fait, des gens qui se révoltaient contre le pouvoir en place. Mais a priori c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus inquiétant puisque les gens a priori s'agressent entre eux. On a vu pas mal d'images de gens qui se jettent les uns sur les autres, c'est assez flippant. Ça craint vraiment là, nous sommes donc le 7 mars et l'épidémie a l'air de se répandre en Chine et dans une partie de l'Asie en fait. Il y a beaucoup de villes qui sont atteintes, la Chine est complètement fermée, l'armée est dans les rues chinoises un petit peu partout, les vols aériens sont complètement interrompus, la bourse s'écroule. Ouais, c'est vachement flippant quand même, là, ça commence à être vraiment difficile pour tout le monde. Alors, le fait marquant, c'est que on nous parle de rage de Nanchang, c'est le terme officiel pour baptiser cette épidémie, donc j'en sais pas plus. Bon, je viens de passer la soirée sur les réseaux sociaux et devant les chaînes d'infos, donc on commence à comprendre un petit peu plus ce qui se passe et c'est carrément flippant, là ça commence à craindre. Les scientifiques ont quelques explications, on ne sait pas où ça a commencé et comment ça a commencé. Est-ce que c'est sur les marchés de Nanchang, est-ce que c'est en ville, quelqu'un aurait mangé un animal ou été mordu par un animal parce qu'il s'agit du virus de la rage en fait, le rhabdovirus a priori, qui aurait muté et qui devient extrêmement transmissible, soit par morsure, soit par voie aérienne, un petit peu à la manière du virus de la grippe, ce qui rend les choses complètement redoutables et incontrôlables. Le virus prend complètement possession de son hôte, attaque son système nerveux et le rend complètement dingue, les gens perdent les pédales, et n'ont qu'une envie, c'est agresser les autres, les mordre, et pour à leur tour transmettre le virus. C'est comme si le virus prenait le contrôle des personnes, quoi. Le temps d'incubation, a priori, c'est quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. C'est très variable suivant l'état de santé des gens et leur situation, leur état immunitaire en fait. Donc c'est complètement incontrôlable. Et puis surtout, l'espérance de vie est variable également. Ça peut être quelques heures ou quelques jours. Mais la mort est quasi assurée au bout du compte. Donc c'est vraiment un truc totalement effrayant. Et pendant ce temps-là, en Chine, c'est le chaos. Enfin, en Chine et même en Asie, un peu partout, les alertes arrivent de tous les côtés. Il y a apparemment des problèmes en Australie et en Indonésie également. C'est complètement flippant, c'est le chaos absolu dans tous ces pays. Et là, vraiment, je me pose la question, jusqu'à quand on va être tranquille ici en France? Pour l'instant, il n'y a rien, on a des flash infos réguliers. Le gouvernement vient de faire une réunion de crise et on attend les nouvelles. Et je vais essayer d'aller me coucher. Quand on est mis en quarantaine à son domicile, il faut se couper du reste de sa famille ou c'est trop tard déjà? On les a potentiellement contaminés. La rage de Nanchang est en France. Je viens d'entendre aux infos qu'un passager est arrivé de Chine dans la nuit. Il a déclaré les symptômes dans l'avion. Ça s'est très mal passé. On n'a pas beaucoup d'infos. C'est assez confus. Les médias sont pas très clairs. Mais a priori, il y a des problèmes à Roissy, à Paris, là où il a débarqué. Le passager a agressé la plupart des gens qui ont voulu l'aider. Trois personnes ont déclaré les symptômes également et ont agressé d'autres personnes. Ça a l'air de partir complètement en sucette dans l'aéroport. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà des problèmes dans Paris aussi. Mais bon, il y a des rumeurs qui vont dans tous les sens. Les réseaux sociaux s'affolent, donc c'est vachement difficile de suivre tout ça. Pas de morts supplémentaires selon le dernier bilan. Nous sommes toujours à 4 cas mortels sur les plus de 280 recensés. Au niveau national, ce qui est interdit, ce sont les rassemblements publics de plus de 5000 personnes dans un espace confiné. Par contre, dans les zones où circule activement le virus, c'est beaucoup plus strict, comme dans l'Oise par exemple, aucun rassemblement collectif autorisé.
Ça se répand. La présence du virus en France au cœur d'une réunion interministérielle à partir de 18h à Matignon. Le dernier bilan dans le pays revu à la hausse, 577 morts avérés. Essayer de faire quelques courses pour se ravitailler. C'est pas mal, ça fait. Bon, ben les magasins se vident, c'est la ruée là. Va falloir trouver une solution pour pouvoir faire un peu de stock pour manger. Bon, voilà la réserve. J'ai compté, on est à peu près pour 3 semaines de réserve devant nous. De toute façon, ça devient la guerre dans les magasins encore ouverts. Il n'y a plus rien. Et après, sincèrement, je ne sais pas comment on va faire. Ça y est, les écoles sont fermées, la plupart des établissements publics ferment également. Il y a des émeutes et des coups de feu dans les rues à Paris, dans les grandes villes. La police essaie de faire le ménage dans ce chaos qui se répand dans les rues. La plupart des gens se claquent mur chez eux ou quittent les villes parce que ça craint vachement. Moi, je vais essayer d'aller bosser encore demain. Le problème, c'est que j'ai pas de masque de protection. On les a pas reçus. On devait les recevoir. On devait avoir une dotation d'urgence. Et bon, après, c'est dérisoire parce que vu le risque qu'on court dans les rues. J'ai entendu du bruit tout à l'heure dans un quartier pas loin d'ici. Je vais rentrer dans ma voiture assez rapidement. Je commence à craindre. J'essaie de faire mon travail comme je peux, mais sincèrement, ça devient crassable. Je continue. Sincèrement, je sais pas jusqu'à quand je pourrais continuer à travailler comme ça. 125 000 morts en France. Macron prendra la parole jeudi. La France confirme son statut de deuxième pays européen le plus touché derrière l'Italie. Dernier bilan fait état de plus de 125 000 morts. La situation est désormais hors de contrôle dans de nombreuses villes malgré le déploiement de l'armée. Des émeutes ont éclaté un peu partout dans le pays où le chaos règne désormais. Le gouvernement est en sûreté, selon les dires du porte-parole du gouvernement. Le président de la République Emmanuel Macron doit s'exprimer depuis le bunker de l'Élysée. On a enfin reçu les masques. Masques chirurgicaux, masques IP1 et masques chirurgicaux encore. Ça devrait permettre de tenir. Et je me suis trouvé ça pour faire quelques incursions en ville. Ça permettra de se protéger au minimum. De toute façon, on va quitter au minimum la maison maintenant. C'est plus moyen de sortir. J'ai essayé d'arrêter de travailler parce que c'est beaucoup trop dangereux. Il y a des infectés un petit peu partout qui sont très agressifs et les gens se battent pour les ressources, l'essence, la bouffe, les quelques rayons qu'on peut trouver encore ouverts dans les quelques magasins qui distribuent encore de la nourriture. Là, on est à un niveau dramatique, vraiment. Donc, de toute façon, il faudra bien sortir pour trouver des médicaments et de la bouffe parce qu'on va bientôt manquer là. Voilà, pour le moment, on va faire comme ça. Oh, putain. Ça y est, ils ont barricadé le supermarché. C'est fermé. Trouver la nourriture, ça va devenir compliqué. Je vais rentrer, de toute façon c'est de moins en moins.
voitures dans les rues. Qu'est-ce que c'est ça? Reste là. Bon, on n'a plus d'électricité depuis quelques heures et j'ai l'impression que ça ne reviendra pas. Les téléphones, c'est pareil, on capte plus aucun réseau. J'ai l'impression que tout a complètement capoté. J'ai une radio à pile et j'ai rien pu capter non plus, aucune info, plus rien. Là, je suis en train de rassembler ce que je peux. Qu'on puisse se défendre. Batte, machette, marteau et un club de golf. C'est dérisoire, mais voilà, c'est tout ce que j'ai. Il y a pas mal de trucs bizarres là qui se passent dans les campagnes. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment inquiétant, quoi. Sont de plus en plus nombreux. Je crois que je vais plus pouvoir bouger de la maison là. Petite précaution, on sait jamais. On se rapproche apparemment. J'entends du bruit à l'extérieur. Je me demande s'ils sont pas arrivés autour de la maison. Je suis pas arrivé à filmer une seule de ces trucs. À chaque fois, je suis pas pris. J'aurais aimé au moins vous témoigner, quoi. C'est complètement débile. C'est peut-être un chat. Ou un chien. Regardez, peut-être parti. Trouver une maison pour me réfugier. Je suis tout seul maintenant.
Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a complètement dégénéré. J'ai dû quitter la maison. J'ai trouvé ce lieu. J'ai plus aucun contact avec personne. On a été dispersés. Plus de réseau, plus rien. J'ai 2% de batterie. Ma dernière boîte, c'est un puce, c'est pourri. Je sais pas pourquoi je m'obstine à continuer ce journal de bord en vidéo. Peut-être un témoignage pour si un jour quelqu'un trouve cette caméra. De toute façon, je n'ai plus hors de batterie. Des panneaux solaires, mais ça déconne, je sais pas pourquoi. J'essaie de réparer, je sais pas pourquoi ça marche pas. En plus, il peut pleuvoir. Je me sens à peu près en sécurité ici. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans les villes, les campagnes, les gens. Tout est devenu silencieux d'un coup. Sauf le bruit des infectés. Eux, ils sont partout. Les chiens, les infectés. Je vais essayer de dormir.